Igor avait 10 ans. Il n'avait pas vraiment d'amis. Comme vous et moi avons des amis, car il ne savait pas jouer, il ne savait pas parler, il était né comme ça. Pourtant, il savait bien sourire. Le jour son anniversaire, on invita toutes ces personnes. Il y en avait au moins 150. Ils firent toutes les choses qui plaisaient à Igor. Certains amenèrent de poney. Il y en avait qui peignaient, d'autres qui dansaient sur un trampoline géant. Igor adorait ça. Chacun voulut participer pour acheter un âne particulier. Il était blanc. Il n'a plus l'air nuage. Nuage devint alors l'ami Igor. Il managea une selle où Igor était solidement attaché. Nuage le porta partout où les jambes d'Igor ne pouvaient pas le porter. Il mena Igor et sa famille dans les montagnes au-dessus du village, puis dans d'autres vallées. Ensemble, ils traversèrent des torrents, rencontraient des bergers, essuyèrent des orages de village en village. Nuage fit découvrir le monde à Igor. Enfin, Igor pouvait aller à la même vitesse que sa famille. Et quand Igor riait, il riait. Nuage avait deux amis, Anne. Gamin et Napoléon. Ils étaient toujours ensemble. Nuage aimait suivre Gamin. Et quand Gamin fut trop âgé, Nuage suivit Napoléon. Ils lui apprirent tout ce qu'un âne doit savoir. Mais il y avait une chose que Nuage n'avait pas eu besoin d'apprendre. Porter son ami Igor. Igor était souvent assis de travers, battant des mains joyeusement, ou bien il s'allongeait en arrière, sur le dos de son âne, comme pour regarder défiler les nuages. Igor avait maintenant 16 ans. Il devient plus lourd, mais un âne peut porter beaucoup. Alors Nuage continuait à porter Igor. Avec sa famille, un été, il marcha depuis à Conques, de Conques à Corps. Et Igor riait et il riait.
un jour à la fin de l'été de la même année. Nuage Igor et sa famille partit une nouvelle fois dans la montagne. En redescendant jusqu'au-dessus de son village, Nuage trébucha brutalement, roula en dehors du chemin. Il se retrouva les quatre pattes en l'air. Igor était toujours sanglé à la selle. Mais heureusement, Nuage resta immobile. Igor fut rapidement détaché et mis en sécurité. Quand l'âne essaya de se relever, il reperdit l'équilibre et commença à rouler doucement. Mais quand la pente s'accentua, il prit de plus en plus de vitesse et finit par tomber au fond d'un ravin. Là, Nuage mourut sur le coup. Il avait été à son service jusqu'au bout. Nuage n'avait que 11 ans. Il était trop jeune pour mourir. Et quand l'hélicoptère alla le chercher dans la montagne, les villageois regardaient. Il était étendu dans un grand filet sous la puissante machine rouge. On aurait dit qu'il dormait. Les gens du village se rapprochaient. Ils aimaient Nuage. Ils aimaient Igor. Et ils savaient que Nuage avait entendu qu'Igor soit détaché avant de tomber. Quand à Igor, si vous lui parlez de Nuage, il pense peut-être que Nuage est dans les nuages. Ce livre raconte une histoire vraie. Tous les faits, nom de personne, et d'âne et nous sont tout antiques. Cette histoire a eu lieu dans le petit village de Borreau en Nucère entre 1896 et 2002.